Oh my god, mais c'est tout noir. Ouais, non. Bon, là vous me voyez mieux, il y a plus de lumière parce que wesh, j'ai voulu vous filmer ça dans une cave où il y avait aucune lumière. Bref, hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super, je suis trop excitée parce que là c'est une de mes périodes. J'en bégaye carrément, c'est une de mes meilleures périodes de l'année. La période de la Saint-Valentin, la période des amoureux. Moi quand c'est la Saint-Valentin, j'aime bien envoyer des fleurs à ma mère, à mes tantes, donner des fleurs un peu à tout le monde. Enfin, j'aime bien faire une petite attention. Du coup, bah là de fêter la Saint-Valentin avec mon amoureux, je suis grave contente. Je vous avoue que je sais pas encore ce qu'on va faire. C'est pas en mode je sais pas encore ce qu'on va faire, il va me faire une surprise hein. Non, je crois pas qu'il a prévu de me faire une surprise. Genre on a parlé de ce qu'on allait faire pour la Saint-Valentin et on n'a pas trouvé quoi faire. Lui il voulait m'emmener dans la plus grande patinoire de Paris, sauf que en ce moment elle est fermée parce qu'il va y avoir les JO. Bref, trop nul et trop dommage parce que moi ça fait des mois et des mois que je lui parle de la patinoire, je veux y aller. Du coup je lui ai dit viens on va à une autre patinoire. Il a dit non c'est pas romantique, je sais pas quoi. Eh, qu'est-ce qu'il me parle de romantique lui? Du coup moi je lui ai proposé un karaoké, genre tu sais tu réserves une salle, une toute petite salle où tu peux acheter des boissons à manger et tout, et genre tu fais du karaoké. Trop drôle. Et lui m'a dit non. Je vais voir avec lui après quand il va venir, comme ça on va pouvoir s'organiser pour la Saint-Valentin parce que moi je veux une bête de Saint-Valentin. Dites-vous que là au moment où je fais le vlog, on n'est pas le 14 février, on est le 15 février. Donc on est un jour après la Saint-Valentin. Va savoir quoi, il m'a dit s'il te plaît Maya c'est important, faut pas qu'on fête la Saint-Valentin le jour de la Saint-Valentin, faut qu'on le fête le jour d'après. Je sais pas s'il m'a dit ça parce qu'il était occupé ou il avait la flemme. Bref, c'est tout. Là, il est quelle heure? Attendez, il est quelle heure? Il est 16h38. C'est quoi le message que j'ai reçu? Okay. Et let's go. Donc là, je vais me poser vite fait et après je vais passer au make-up, à la tenue. On va rejoindre Moumou et on va voir ce qu'on fait. Make-up et tenue, je sais pas ce que je vais faire. Make-up, j'ai vraiment envie de faire un bête de make-up pour la Saint-Valentin. Moi j'adore le make-up, donc faut investir dans le make-up ce soir. Donc on va faire un bête de make-up. L'outfit je choisirai en dernier quand j'aurai fait ma coupe et mon make-up. Et après bah on va voir ce qu'on va faire et on va y aller quoi. Sinon j'ai l'air archi fatiguée en ce moment, mais ma mère elle me dit t'es grave cernée et tout. Je sais pas c'est pourquoi, peut-être que je suis en manque de fer, peut-être je ne sais pas. D'ailleurs j'ai une prise de sang à faire. Mais bref, calculez pas ma tête quoi. De base j'allais me préparer directement, mais en fait je vais laver mes cheveux comme ça je pourrais faire mes boucles. J'avais trop la flemme de faire mes boucles parce que je me suis dit le lendemain mes cheveux ils vont être dégueulasses, il n'y aura plus de boucles. Sauf que je viens de recevoir ça là juste à l'instant. Bah, c'est un bonnet pour garder ses boucles la nuit. Donc let's go faire ses cheveux en fait. Bon là je sors de la douche, je vais faire mes cheveux après mon make-up. Et je vous jure dans la douche j'ai commencé à avoir des idées pour la Saint-Valentin. Je vous en parlerai après là pendant le make-up. Mais déjà je vais faire mes cheveux parce que là je suis crampée. Bon là je viens de me poser, je vais me make-up. Et regardez mes cheveux s'il vous plaît, ils sont secs. J'espère que ça va rendre bien avec mon make-up, ma tenue et tout, mais bon. Là je vais me make-up, il est déjà 18h10. J'aurais kiffé qu'on soit dehors à 19h, mais bon c'est pas grave. Je vais me maquiller et comme ça on va pouvoir commencer notre petite soirée de la Saint-Valentin. Attendez, je vous ai pas dit mes idées. En gros j'ai eu une idée de ouf. J'ai réservé, bon surprise pour Mourad, j'ai réservé un hôtel, genre une chambre d'hôtel cinéma. En gros il y a que, je crois qu'à Paris il y a que un hôtel qui fait ce concept et c'est un truc de ouf. Genre t'as une chambre d'hôtel et dans ta chambre d'hôtel t'as un vrai écran de cinéma avec projecteur, genre un truc de ouf, et t'as un catalogue de films et tout, comme ça on se fait nuit blanche cinéma, ça va être trop cool. De toute façon je vous emmènerai avec moi. Le resto je lui ai dit toi tu trouves un resto, je lui ai dit c'est à toi de trouver le resto. J'ai toujours pas de fleurs donc en fait je sais pas si j'aurai des fleurs. Trouvez-vous des hommes capables. Non bref je rigole, mais en tout cas là je vais me make-uper. C'est bon, j'ai enfin fini mon make-up. Franchement avec mes cheveux je trouve que ça tue. Donc je vais aller m'habiller, enfin on va aller s'habiller ensemble. Attendez, je retire la caméra, wesh. Wouah, j'ai cassé la ring light. Bon on va aller s'habiller ensemble et on va sortir. Bon pour la tenue j'ai grave envie de mettre ce haut. Il est incroyable avec des petits détails, des petits bijoux. Je l'ai vu, bah, déjà calculez pas mes ongles hein. Ne calculez pas mes ongles, faut que je les refasse. Ils étaient longs et tout mais ils sont cassés, bref. J'aime trop ce haut, je l'ai vu sur une meuf sur TikTok. Et je me suis dit mais en fait faut grave que je le remette. Avec une sorte de jean noir un peu délavé, que je trouve que ça irait trop bien ensemble. Et sinon je suis grave triste parce que j'ai pas fait de make-up extravagant. De base je voulais faire un make-up avec des cœurs, des trucs. Sauf qu'au final j'ai pris trop de temps à me préparer. Donc on y go. Alors je suis prête. Alors je suis prête, je vous montre l'outfit final, je kiffe de ouf. Et on va choisir un manteau. Je le mets grave souvent mais je suis désolée, je l'aime trop, j'ai trop envie de le mettre. Et je trouve que ça va bien avec l'outfit. Oh, j'aime trop. Regardez qui je retrouve, mon Valentin. Il est où mon bouquet? Attends, j'ai commandé un bouquet, normalement il doit être livré chez toi. Mais je sais pas, le coursier, je crois qu'il est. C'est une excuse, c'est une excuse. Pas du tout les gars, vous inquiétez pas, vous allez le voir dans le blog. Vas-y, j'attends ton bouquet en tout cas. Et attends, on va manger où là? Là je vais te ramener dans un resto surprise. Tu verras là. Non, je veux savoir ce qu'on va manger. T'inquiète, tu verras là. Ok. Bon bah vas-y, mets ton manteau et mets tes chaussures. Moi j'ai déjà mis mon manteau et mon petit corps. Mais ouais, je fais aucun effort pour être post-bad avec. Ok, c'est vrai.
Moi j'étais blanche. Pardon. Pardon. Bon là le Uber arrive dans une minute. Je suis impatiente de me casser le ventre. Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, on va pas manger comme des timides. Ça y est, on se connaît, moi je vais me casser le ventre, là j'ai trop faim. Ah j'avoue, parce que au tout début, les premiers restos, genre, laisse tomber, la meuf elle mangeait comme ça. Et elle prenait que des salades, j'en pouvais plus. Et là ça va se casser le ventre, là, y'a pas de salade frérot. Je vais pas me casser le ventre moi. Oh, lui il se casse le ventre depuis le premier jour où je l'ai rencontré. Mais il me cala pas en fait, c'est ma Saint-Valentin, moi tout seul. Toi tu trouves que je te calcule tout le temps, wesh. Tu me calcules jamais on dirait. T'es folle toi, déjà tu m'emmènes dans un resto de raclette. Ah oui, je vous ai pas dit. Finalement c'est moi qui ai choisi le resto. Et on va dans un resto de raclette. Genre on peut manger de la raclette. De toute façon je vais vous montrer le resto, je vous dirai si c'est un top ou un flop. Et en plus c'est halal. Oh, et en plus c'est halal, donc si vous mangez halal, halal, let's go. Il me regarde jamais frérot. Genre il a mis sa main, genre ouh. Bref, impatient d'arriver au resto. J'adore les raclettes, genre la raclette c'est un de mes trucs préférés. Moi pas du tout les gars. Mais carrément, arrête de mentir. Quand je fais une raclette à la maison, quand je vous dis ah, mais oui, pas ça. Mais je vais pas aller dans un resto pour manger une raclette. Ah mais c'est un resto de raclette, t'es bête ou quoi? Ah y'a que des raclettes. Bah non, y'a des autres trucs, mais tu vas dans un resto de raclette pour manger de la raclette. C'est comme ceux qui vont dans un buffet à volonté asiatique et qui mangent des frites. Moi. Un jour j'ai fait ça quand j'étais petite, ma mère elle m'a engueulée. J'ai dû couper le son parce qu'il y avait trop de musique derrière, mais regardez ma bouteille de Fusti. Après j'ai dit à Mourad, mais t'as déjà vu une bouteille de Fusti comme ça? Et lui il m'a dit non, à part les bouteilles de bière, d'alcool, bref, tu connais les blagues de Mourad nul. Sinon le resto c'est la Casa Paris, donc c'est une raclette halal. Je trouvais ça grave cool parce que j'ai jamais vu de resto de raclette, encore moins halal, et franchement c'était délicieux. J'ai trop bon, du coup là on sort du resto, et je suis décoiffée parce que il pleut. Du coup je suis décoiffée, je suis dégoûtée. Alors le resto sur 20 Mourad? Franchement le resto sur 20 je mettrais 17 sur 20. Moi le resto sur 20 je mets à 20 parce que j'aime trop la raclette. C'était archi bon, ils étaient archi sympas, j'ai kiffé. Ensuite j'ai pas filmé parce qu'il y avait grave du monde dehors, j'avais la flemme de me faire voler ma caméra. Mais après on est parti à l'épicerie, on a acheté plein de petits trucs pour ce soir, notre soirée film. Je vais vous montrer après. Bon là on est arrivé à Skip, c'est le seul genre resto ciné. Et c'est vrai que genre quand on arrive il ressemble un peu à un ciné. Oh, magnifique en haut. Franchement ça a l'air beau, on va faire le check-in et après bah je vous montre. Regardez en plus ce qu'on nous a offert. Du popcorn sucré. Hey. Ah merde, on est d'accord. C'est pas depuis tout à l'heure on est là, mais on n'a pas bougé. Mais attends, toi tu me tapes la honte, je suis en train de parler de la meuf et toi t'as pas. Attendez parce que là Mourad vient de me faire la honte de ma vie. Bref, en tout cas le personnel était grave sympa. J'ai trop de trucs dans les mains, attendez je pose tout. Les gars. Regardez ce que j'ai réservé pour ma femme. Ouais, bien sûr. Et en plus, juste à côté de notre chambre, on a plein de films en CD. Bon, on va découvrir la chambre. J'ai pas encore vu. Quand on rentre, c'est comme ça. Waouh ! J'ai flippé, j'avais pas compris que c'était un miroir. Là, c'est quoi ? Les toilettes. Ok, là, on a une douche. Là, on a ça, ça ressemble à ça. Et là, on a la chambre qui ressemble à ça. Et on a le... truc de cinéma ici et ici, vraiment comme au cinéma. Je vais changer de haut, vraiment j'en peux plus. Je suis trop habituée à mettre des vêtements larges, donc je vais mettre un haut large. Je vais garder mon jean et je vais me... Wouh, Mourad il a failli tomber. Et je vais me poser, on va voir comment ça marche pour mettre les films. On va vous montrer de toute façon. Bon là Mourad il a mis en mode home cinéma. Wouah, what the fuck, ça m'a fait flipper. Du coup regardez ce qu'on a acheté à l'épicerie. On va pas manger tout ça, déjà qu'on a mangé une raclette. Là on va prendre 10 kilos. Quoi, ça, s'il te plaît. Ah j'aime trop, j'ai pris de la barbe à papa. J'aime trop. Et j'ai aussi pris des sucettes. J'en ai pris au moins des 10. Des goûts nuls de Maya. Granola, barbe à papa, napolitain, tartelette, capricen. Ça c'est pas ma boisson hein. Qui prend ça? C'est toi? C'est lui qui a pris ça. Bon là on va chercher un film. En fait Mourad on va regarder zéro film alors qu'on est pris, on a pris un hôtel cinéma, on va regarder sans, zéro film. Sans physique les gars. Non vas-y on met un film là. Sans physique. Bon là pour commencer on a mis un film d'horreur qui s'appelle The Witch. Je pense qu'avant de dormir on va regarder deux films au moins pour rentabiliser, mais voilà quoi. Et il y a un code dans les toilettes. Oh arrête de faire des blagues comme ça. T'entends pas. Arrête de faire des blagues comme ça frère. Bon là on vient de regarder un film mais c'est temps de me démaquiller, j'en peux plus. Ouh,
c'est bon, je me suis démaquillée. Regardez, j'ai mis ma grosse, je sais pas comment on appelle ça déjà, j'ai oublié. Mon bonnet là, mon gros bonnet pour mes cheveux. Sinon là, on a regardé un film d'horreur, on a regardé The Witch. C'est genre un film d'horreur sur les sorcières, mais ça date genre en mode au 19e siècle ou un truc comme ça. Franchement, il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Donc là on va trouver un deuxième film, il est 1h du mat. Mais je veux rentabiliser les films en fait. On va rentabiliser les films, donc je pense que je vais regarder un dernier film. Après je vais dormir, demain je vais essayer de me lever plus tôt pour encore regarder des films. C'est la meuf qui veut que rentable. Là on se retrouve le lendemain, je suis enfin rentrée. Je suis épuisée de ma journée de Saint-Valentin. J'espère que le vlog vous aura plu. Moi j'ai passé un super bon moment. N'oublie pas de liker pour m'encourager. Mets-moi un petit commentaire pour discuter avec moi. Abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper. Et voilà, je te fais des bisous.